La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. J'ai pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France. Et on a chancé. Hop. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.